Bon, c'est parti, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, épisode 3 sur la transformation d'une buanderie en salle de bain. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Le lien est dans la description. Premier épisode, je vous parle du projet. Deuxième épisode, on casse la chape. Ce sont les gravats que vous avez vus en début de vidéo que j'ai déposés en déchetterie. Alors, j'ai tout arrosé. Ne faites pas ça si vous êtes dans un appartement. Le voisin du dessous risque de ne pas apprécier et vous risquez de pourrir vos murs. Moi, je sais que j'arrache le doublage, donc pas de souci. Prenez un petit pulvérisateur. Au fur et à mesure qu'on enlève les gravats, on pulvérise et ça fixe la poussière sur les gravats, dans les sacs et la déchetterie. Donc dans cette vidéo, on continue la démolition, on casse la cloison, on arrache tout le doublage et ensuite on va s'intéresser au plafond puisqu'il n'a jamais été enduit, les bandes ne sont pas faites. Donc on va commencer par faire les bandes et ensuite ratissage total. Mais c'est l'occasion de vous présenter un nouvel enduit. Et ensuite, on se retrouve en fin de vidéo pour un jeu concours en partenariat avec Wurs Modif. Ils sont partenaires de la chaîne. Tout le long de l'année, vous avez 15% de réduction avec le code MAKE15. Vous avez tous les liens dans la description, y compris sur le site Wurs Modif. Et cette fois-ci, jeu concours. Je vous explique tout. Il y a une tenue complète à gagner, chaussures, pantalons, suite. On voit tout ça en fin de vidéo. Il n'y a plus de laine de verre, tout est dans le camion. Là, pour le coup, le camion est super bien isolé. Je vous fais le tour de la pièce, ensuite on va aller voir le camion. Alors, je vous fais l'impasse sur les montants qui ne sont pas sertis. Pourquoi se compliquer la vie avec du sertissage? Ou alors, autre concept. Un montant sur deux serti, puisque l'autre ne rentre pas dans le rail. Au niveau du sol et au niveau du plafond, le montant de gauche ne rentre pas dans le rail. C'est un concept. Parce que les montants de 2,60 m, apparemment, ça coûte trop cher. Ici, pas de sertissage. Alors l'avantage, c'est qu'un coup de pied dedans et ça se démonte. Donc vous comprenez pourquoi je refais tout. Prochaine étape, on démonte cette cloison. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je vais pas me compliquer la vie. On coupe les vis, j'enlève les montants. La plaque de plâtre, je la glisse comme ça, parce que là derrière, il y a un rayonnage. J'ai pas envie de le vider, de le démonter pour l'instant. Et je la casse, direction la déchetterie. Pour l'instant, la déchetterie, alors je vous montre ce qui me reste en place dans l'atelier, vous voyez, entre le compresseur, la plaque de plâtre, la machine à laver, j'ai à peine deux carreaux. Bon, ici, j'ai un peu plus de place. Mais là, hop, on sort, c'est terminé. Donc voilà, le camion est super bien isolé. Pour l'instant, j'ai évacué toutes les plaques de plâtre, il me reste à évacuer tout ça, j'emmène le souffleur pour ensuite faire le ménage. On retourne dans la buanderie. Et la prochaine évacuation, prochain tour à la déchetterie, eh bien, c'est tout ça, les montants, la plaque de cette cloison.
Je viens d'avoir une idée de génie. Maintenant que j'ai récupéré toute cette place, les 15 mètres carrés, je me dis que je vais pouvoir agrandir l'atelier. Le rayonnage, il vient ici. Je vais mettre des machines et le tour est joué. Mais non, je plaisante. Parce que là, si je fais ça, c'est la séparation assurée. Donc, on reste sur le projet salle de bain. Ce sera très bien. On reste comme ça. Les rails, les montants, j'ai tout enlevé. Des coups de pied dans les montants, c'est venu tout seul. Sinon, des coups de marteau, puisque ça ne tenait pas. Ils étaient juste bloqués avec 2-3 vis de temps en temps ou un sertissage au pire des cas. Au niveau du plafond, le rail, j'ai tiré dessus, il est venu tout seul, puisque c'était vissé uniquement dans la plaque de plâtre. Mettre un filet de colle, ça coûte trop cher. Cheville expansion, bah, de toute façon, on n'en avait pas, on n'en met pas. Des renforts au-dessus, oh là là, faut aller dans les cons, faut pousser la laine de verre, c'est trop compliqué. Pourquoi s'embêter? On fait des choses à l'arrache, et puis après, de toute façon, c'est camouflé avec la plaque de plâtre, ça ne se verra pas. Qui a fait ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est un professionnel? Ce serait grave. Si c'est l'ancien propriétaire, on va dire que c'est moins grave parce que peut-être qu'il n'était pas plaquiste, il n'y connaît rien. Mais il suffit de se renseigner. Ça coûte pas plus cher de se renseigner, de faire les choses bien. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins ça tient dans le temps. Puisque là, ça ne tenait absolument pas. Quand je mettais mon pied à la base, la plaque s'enfonçait, parce que le rail ne tenait pas et de toute façon, la plaque de plâtre ne descendait pas sur le rail. Bon, c'est pas grave, on va tout refaire. La structure, l'isolation, plaque de plâtre, étanchéité dans la douche, et au moins, ce sera top. Ce sera top parce que ça va être fait correctement. Et encore une fois, je me répète, ça va être fait correctement parce que je vais prendre le temps de faire les choses bien. Donc, je vous explique le projet. Ça va être cloisonné à peu près par ici. Une porte, meuble vasque, WC, la douche, la baignoire qui passe sous la fenêtre. Et entre la baignoire et la douche, une séparation. Au niveau du WC, l'évacuation, plutôt que de la passer dans le vide sanitaire, je vais la passer derrière donc cette cloison et je vais remonter une cloison pour cacher l'évacuation. Il y aura une trappe et si j'ai besoin d'accéder sur l'évacuation, je pourrai, plutôt que d'aller m'embêter dans le vide sanitaire. Et au niveau de l'évacuation, ça va être le Silent PP de GG Berit, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Pas de collage, on emboîte et ça fonctionne très bien. L'avantage, c'est que si un jour je dois intervenir, je peux tout déboîter. Je vous en reparle quand on en sera à faire l'évacuation. Là, pour l'instant, on va s'intéresser au plafond parce qu'il y a un gros problème. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Je pense qu'avec le temps, ça s'est affaissé et le fait qu'il y ait la cloison, forcément, ça a cassé des deux côtés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 plaques de plâtre. Je les enlève. De toute façon, la trémie, il fallait la déplacer. Il va falloir que j'enlève tout ça. J'ai loué un espace de stockage. On va tout mettre dans l'espace de stockage. Et je vais pouvoir faire ma trémie et refaire tout le plafond et découper à peu près hop, par ici parce que c'est cassé des deux côtés. Je vais mettre une règle, un étai et vous allez pouvoir constater le problème. Bon, on se fait un petit point. J'ai mis un étai, une règle au plafond puisqu'ici on a un problème tout le long là où il y avait la cloison. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. On voit donc une démarcation. Je ne savais pas si c'était un problème de différence de niveau qu'ils ont essayé de rattraper ou est-ce que c'est cassé. J'ai remis l'échelle à grenouille, j'étais dans les cons, j'ai poussé l'isolation et c'est bien cassé des deux côtés. Alors pourquoi c'est cassé? Eh bien j'imagine qu'il y avait la cloison, ça s'est affaissé avec le temps des deux côtés et ça a cassé. Alors pourquoi ça s'est affaissé? Je me dis que si le plafond il a été monté comme les murs, il y a un gros problème puisque les murs, vous l'avez vu, au sol, il n'y a rien qui tenait. Au plafond, j'ai arraché les rails et ça ne tenait pas. Donc, j'ai tiré dessus. Ça tenait juste avec des petites vis comme ça. Les montants, j'ai mis des coups de pied dedans. Ils sont venus tout seuls. Donc là, au niveau des fourrures et suspentes, si ça a été mal fait, je comprends pourquoi ça s'affaisse. Donc, on va aller voir tout ça. Pour voir tout ça, je vais enlever les plaques de plâtre. De toute façon, la trémie, il fallait la déplacer par ici. Pour la déplacer, il faut que je désencombre tout ça. Je vous en parle tout à l'heure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 plaques. De toute façon, la VMC, il fallait la déplacer. Les sorties d'air chaud de la cheminée, pareil, elles n'ont plus lieu d'être là. Donc 4 plaques, 5, 6, 7 au pire. C'est pas compliqué à changer cette plaque. J'ai ramené donc le lève-plaque. Si vous n'en avez pas, vous en louez un. On le monte, j'ai les vis apparentes, on dévisse et on descend les plaques. Et on va voir le problème avec les suspentes et les fourrures. Mais je vous l'ai dit, je pense que si ça a été fait comme les murs, on va avoir une petite surprise. Un constructeur de maison, il vous remet une maison clé en main.
Alors vous pouvez choisir de faire vous-même votre placo. Dans la maison, je n'ai pas de problème au niveau des plafonds et au niveau des murs. Dans la vidéo précédente, ici, je vous montrais qu'on pouvait appuyer avec le pied, la plaque s'enfonçait. Elle s'enfonçait parce qu'il n'avait pas descendu la plaque de plâtre sur le rail. Et elle n'était pas fixée sur le rail. Donc dans la maison, j'ai pas ce problème, ça craque pas au niveau des plinthes, ça craque pas au niveau du plafond. Je pense que le constructeur, il a confié la partie plaque de plâtre à un professionnel, mais tout ce qui est garage, c'est en option. Pour un souci d'économie, les gens le font eux-mêmes. C'est ce qui a dû se passer avec l'ancien propriétaire, il a dû le faire lui-même. Ou est-ce qu'il a sous-traité ça avec quelqu'un qui n'y connaissait rien, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'y a que des problèmes. On l'a vu au niveau des murs et maintenant le plafond. De toute façon, tout le garage, il faut que je reprenne les plaques de plâtre et le plafond. Donc là, au niveau de la démarcation, c'est cassé. Je vais aller un mètre plus loin, parce que je me dis que ça se trouve, c'est fissuré aussi dans ce sens-là. Je vais découper tout le long. On refait le plafond dans l'intégralité. Donc, il n'y aura pas d'enduit dans cette vidéo, puisqu'au début de la vidéo, je vous disais enduit. On verra ça plus tard, peut-être dans la suivante. Je découpe donc un mètre et l'autre partie, on la fera plus tard, puisque là, je vais avoir une cloison technique qui va revenir ici. Cloison technique, renfort en bois au-dessus, je me repique, mais il faut que ça tienne. Là, tout ça, c'est craqué, c'est mort. Vaut mieux le changer. On va pas aller essayer de bidouiller avec du MAP, de l'enduit, quoi que ce soit. Ça, c'est du bricolage. On change complètement la plaque et au moins, c'est solide, avec un renfort en bois au-dessus. OK ? Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la trémie. La trémie, on va la déplacer par là, mais il faut que je désencombre tout ça. Dans le sens où là, il ne me reste plus que ça en zone de passage, puisque tout ce qui était dans cette zone en stockage, il a fallu que je le ramène ici. Et là, je ne peux plus bouger. Donc, j'ai loué un espace de stockage. Je vais conserver les plaques de plâtre. Je vais conserver un peu de mortier, un peu de colle carrelage, juste ce qu'il me faut et tout le reste. Espace de stockage. Et normalement, je récupère plus de la moitié de l'espace de l'atelier pour bosser. Parce que là, pour bosser, c'est compliqué. Alors, j'ai cette zone, mais cette zone, elle est censée me servir pour faire les travaux. Il faut que je fasse du carottage, il faut que je fasse mes plans au sol. Donc, si je commence à encombrer cette zone, ça va pas le faire. D'ailleurs, en parlant de plans, tout à l'heure, je vais vous parler d'un logiciel en ligne de chez Géberi qui s'appelle 3D Plans, qui permet de faire les plans de salle de bain. Je vous en parle tout à l'heure. Et on a également le jeu concours, les cartons Wurs Modif qui sont ici. Et j'ai des cartons Wurs à ouvrir également, puisque là, il faut que vraiment, que je vous l'ai dit, je désencombre, mais que je regarde ce qu'il y a dans les cartons. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer au sol les emplacements douche, baignoire, WC, meuble vasque, cloison. Parce que tout à l'heure, je vous disais, bon, la douche ici, la baignoire, le WC, meuble vasque, mais on ne se rend pas réellement compte. Là, je vais tout tracer et comme ça, on va pouvoir se projeter. Mais bon, on va y arriver avec ce plafond et je préfère vraiment tout enlever. Je me répète encore une fois, mais prenez le temps de tout enlever et de faire les choses correctement. Là, je sais que je repars sur une base qui est nickel, puisque je vais refaire l'isolation, je vais refaire la structure, je vais repasser les gaines électriques, le réseau d'eau, évacuation, et au plafond, c'est pareil, je vais même changer l'isolation, puisqu'en allant voir là où c'est cassé, j'ai poussé l'isolation et je me suis aperçu que la laine est vraiment très tassée. Donc, autant la changer, alors pas sur toute la superficie de la maison, mais au moins au-dessus de la buanderie et une partie, on va dire, du garage. OK ? Donc, je trace tout au sol et on voit ce que ça donne. Bon, maintenant que tout est tracé au sol, on a donc la douche, la baignoire, le meuble vasque, le WC. Bien sûr, j'ai calculé l'épaisseur du doublage. J'ai tout déduit. La cloison, porte coulissante. Je n'ai pas envie de m'embêter avec une porte classique. Un bon dégagement ici. Alors peut-être que le meuble vasque, je vais le décaler par là, puisqu'ici on a pas mal de place. Le meuble vasque, il va faire 90 cm. Entre le meuble vasque et le WC, on a environ 40 cm. Et entre le WC et le mur, environ 40 cm. La douche, 1,40 m par 90. La cloison, qui va être assez épaisse. Donc je vais pouvoir créer une niche d'un côté ou de l'autre, on verra. Il y aura également une niche dans la douche. La douche, je vous l'ai dit, 1,40 m par 90. La baignoire, 1,80 m par 80. On aligne le tout. Entre la douche et le WC, j'ai plus d'un mètre. Donc, je vais pouvoir décaler le tout de 20 cm, créer une banquette dans la douche et un tablier tout autour de la baignoire. Et il me restera 80 cm de passage entre le WC et la douche. Ça suffit largement. Ensuite, porte vitrée, etc. Et là, je vais
vous l'ai dit, créer un tablier tout autour de la baignoire. On pourra poser les flacons. Dans la douche, on pourra poser les flacons et voire même s'asseoir. 20 cm, c'est pas très large, mais bon, si on a envie de s'asseoir, on pourra. Donc douche, baignoire, meuble vasque, WC, un bon passage tout autour. On aura peut-être le sèche-serviette ici ou là-bas, on verra. Mais voilà à quoi ça doit ressembler dans l'ensemble. Si je ne remodifie pas certaines choses, à décaler le meuble vasque, peut-être, je vous ai dit 20 cm, peut-être que ce sera 25 voire 30, on verra en fonction. Parce qu'ici, je peux encore gratter quelques centimètres. Même par ici, je peux encore décaler la cloison. Mais dans l'ensemble, ça ressemblera à ça. Douche, baignoire, WC et meuble vasque. Bon, je me suis mis devant l'ordinateur. Je vais vous montrer l'outil 3D de Geberit pour créer des plans de salle de bain. Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Bien sûr, vous avez le lien dans la description. Sinon, l'URL est ici. On peut faire des configurations de pièces vides en rectangle, carré, en L, en pentagone, forme libre. Comme on a des préconfigurations, petite salle de bain, moyenne salle de bain, grande salle de bain, toilette WC. Nous, on va partir sur une pièce vide. Je vais prendre mon cas. Deux salles de bain. On va rentrer les dimensions. 2,50 m par 3,50 m. On peut changer l'épaisseur des murs. Allez, on va dire 15. Et j'ai mon plan qui est prêt. On peut tourner ça dans tous les sens. Alors, de base, c'est un carrelage gris. Vous allez voir qu'on peut le changer. On se remet en 2D. Hop, je veux une porte. Je peux bien sûr changer la largeur de ma porte, 90, et je veux la mettre par exemple ici. Là, bien, je vais la mettre ici. On la met où on veut et en fonction du déplacement, vous avez toutes les cotes. Donc là, on va dire les 20 cm du bord, ça me va bien. Ensuite, il me faut une fenêtre. Je vais prendre celle-ci, elle est très bien. On va modifier la largeur, la mienne a fait 70, on valide. Et je sais qu'elle est à 2,22 m du mur du fond. Hop, 2,21 m, 2,22 m, c'est très bien. On a donc notre fenêtre, notre porte. On va pouvoir continuer, finition. On va changer le sol. On va dire qu'on veut, je sais pas moi, du parquet par exemple, celui-ci, ou du noyer. Ou alors on pourrait prendre un carrelage gris. Plus beige, ici, carrelage beige, on retourne sur le parquet, c'était très bien. Le parquet, c'est vu. Ensuite, on va faire les parois. Donc, qu'est-ce qu'on a en couleur? On a un peu tout, on a du rose, on a du vert turquoise, on va se faire plaisir, on va prendre cette couleur, c'est très beau. On continue, ensuite on choisit la collection, vous prenez la collection que vous voulez, et vous avez tout. Les lavabos, les vasques, les WC, les baignoires, les douches. On va prendre un meuble vasque de 90 de large. On tourne le plan. Parce que moi, ma vasque, elle vient ici. On revient en arrière. On va chercher le WC suspendu. On le sélectionne. Et le mien, il va venir par là. Le meuble vasque, on le glisse. Voilà ce que ça nous donne. Il nous manque la baignoire, il nous manque la douche. On revient en arrière dans le menu. On sélectionne la douche, par exemple, 1m40 par 90. Où c'est que j'ai ça? 1m40 par 90. On cherche dans le menu. Hop, on va prendre celui-là. Très bien. 1m40 par 90. La colonne de douche n'est pas forcément au bon endroit. Il suffit de chercher dans le menu. Vous allez trouver avec une colonne de douche sur ce mur. Parce que moi, va venir ici, mais là c'est à titre de démo, vous comprenez. La baignoire, baignoire d'angle asymétrique rectangulaire, on choisit une rectangulaire, je sais pas moi, 1m70-80, c'est très bien. On va mettre la baignoire par là, et voilà à quoi ressemble le plan. Si j'ai besoin de revenir en arrière, changer la collection, je peux. Si j'ai besoin de changer le sol parce que ça ne me plaît pas et que je veux un sol noir, eh bien on se fait plaisir, on met un sol noir. On revient, pareil pour les murs, vous avez compris le principe. Et donc on a notre plan qui est terminé. On peut aller plus loin dans les finitions. On peut bien sûr zoomer sur le plan, l'avoir en 2D, l'avoir en 3D, toujours en zoomant, en dézoomant. On peut changer l'aspect, vous voyez, on fait ce qu'on veut. Et on peut se l'envoyer par email. C'est là où ça devient intéressant. C'est parce qu'ensuite on a un récapitulatif et ça vous donne tout les données techniques.
les collections, la totale. Donc pas besoin de s'embêter avec un papier et un crayon, vous faites votre plan en 3D et au moins vous êtes sûr du résultat. Bon, l'outil 3D, vous avez vu, c'est magique, ça permet vraiment de se projeter par rapport à une rénovation de salle de bain, de WC et même de salle d'eau. Vous importez tous les éléments, meubles, vasques, douches, baignoires, WC, la couleur du sol, la couleur des murs, vous changez tout ça. Vous le tournez dans tous les sens, 3D, 2D, vous l'imprimez, vous l'envoyez par email et vous avez un récap de tout. Le lien est dans la description, je vous invite vraiment à découvrir cet outil, il est magique. On termine cette vidéo par le jeu concours, je vous en ai parlé en début de vidéo qu'on allait organiser un jeu concours. Vurs Modif, sont partenaires de la chaîne tout le long de l'année sur n'importe quel article, vous avez 15% de réduction avec le code MAKE15. Vous allez voir dans la description, vous copiez-collez le code MAKE15, vous le rentrez sur le site Vurs Modif et moins 15% de réduction. Pour l'occasion, on crée un jeu concours, un sweat, chaussures de sécurité et un pantalon kaki. J'avais fait un sondage sur Instagram, donc le jeu concours ce sera sur Instagram, c'est cette publication qui s'affiche. Donc j'avais fait un sondage pour savoir si vous étiez plus jean de travail ou pantalon kaki. Eh bien c'est les pantalons kaki qui ont gagné, la team jean, tant pis pour vous, 40 à 60%, donc 60% pour le pantalon kaki. On commence par le sweat, je vous le présente, il est magnifique, il est noir, il y a une capuche, le logo Vurs Modif qui est brodé, la poche kangourou dans laquelle on peut mettre les vis, le mettre, ce que vous voulez. Les chaussures de sécurité qui sont ultra légères. Coque renforcée. Donc quand je vous dis qu'elles sont ultra légères, c'en est impressionnant. Là, c'est, je ne sais pas combien elles pèsent en grammes, mais elles sont super légères. Elles sont bleu turquoise, elles sont jaune fluo. Elles sont magnifiques en dessous. Regardez la semelle, on n'a pas envie de les abîmer. Peu importe si vous faites du 39 ou du 52, vous aurez la bonne taille. Pied droit, pied gauche, bien sûr. Le sweat, que vous fassiez du XS ou du triple XL, vous aurez la bonne taille. Et le pantalon kaki, avec toutes les poches, pareil, vous aurez la taille qu'il vous faut. Donc les poches sur les côtés que le logo Vurs Modif, pareil de l'autre côté, une poche. Derrière, des poches partout, il y a des poches partout. Une ceinture, il est de couleur kaki. À l'intérieur, ça fait un peu penser à un pantalon de guerre. Si vous voulez partir faire la guerre, c'est le moment, vous avez un pantalon qui vous attend. Donc je vous l'ai dit, chaussures, pantalons, le sweat, c'est cette publication sur Instagram. Allez-y, participez, vous avez une semaine pour tenter de gagner cette tenue pour vous ou l'offrir à quelqu'un. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. On va se retrouver très prochainement pour ce fameux plafond. On va tout démonter, voir ce qu'il ne va pas au niveau des fourrures et des suspentes et on va tout refaire. En attendant, portez-vous bien, à une prochaine vidéo.